Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative simplement de l'hypnoconfinement. Donc l'hypnoconfinement, pour ceux qui n'ont jamais regardé de ce genre de vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est en fait quelque chose que j'ai créé qui permet en fait de se sentir mieux face à tout ce qui touche au confinement. Je vais vous donner un exemple. Imaginez le confinement, en fait, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait du mal quant au fait que vous vous sentiez extrêmement seul, d'accord? Par exemple, vous voyez, vous n'avez plus du tout vu de gens que vous avez appréciés. Peut-être que vous les avez vus seulement en ligne. Ou peut-être, pour une autre personne, c'est quelque chose qui vous a créé la peur de l'enfermement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à vous sentir bien lorsque vous êtes enfermé chez vous. Ou peut-être pour d'autres, ça a créé une toute autre problématique. Par exemple, vous n'êtes plus capable de communiquer avec le monde extérieur parce que vous êtes complètement bloqué chez vous, car quelque chose s'est passé psychologiquement. Et bien simplement, après vous avoir donné tous ces exemples, ce que vous devez comprendre, c'est que la méthode hypnoconfinement, c'est une méthode qui en fait vous met dans un état d'hypnose à travers l'écran, et ce uniquement de manière positive, car il n'y a aucun terme négatif, il n'y a aucune tendance négative avec l'hypnose que j'utilise de cette façon-là. Donc, au pire des cas, ce qui peut se passer, c'est que l'hypnose ne fonctionne pas sur vous, si jamais vous n'êtes pas réceptif, par rapport à mon hypnose, parce qu'on est tous réceptifs à l'hypnose, mais des fois, avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Et des fois, il faut regarder de plus en plus les vidéos pour que ça finisse par fonctionner, tout simplement. Simplement, maintenant que vous savez ça, vous pouvez être rassuré. Vous pouvez être rassuré parce qu'il n'y a aucun risque à se faire hypnotiser. En tout cas, pas dans le cas des vidéos de ma chaîne, et encore moins dans le cas des vidéos d'hypnoconfinement, parce que c'est simplement gratuit. C'est une idée que j'ai eue. On m'en avait déjà parlé. Tu pourrais faire des vidéos, Baptiste, sur le fait d'aider les personnes, en fait, de les accompagner pendant qu'elles sont mal chez elles, sur leur écran, pendant en fait tout simplement le confinement. Parce que là, peut-être que vous regardez cette vidéo et que c'est 2022, ou peut-être que c'est 2023, peut-être que c'est plus tard, et du coup, vous vous rappelez du confinement comme si c'était une vieille époque. Simplement, le confinement, ça peut réveiller des traumas, ça peut réveiller en fait des états de conscience qui sont désagréables. Et c'est pour ça que l'hypnose, qui est intéressante, qui est une approche en fait vraiment positive, va à l'encontre du négatif. Elle va simplement vous permettre de restaurer la personne que vous étiez vous-même avant que le confinement arrive. Tout simplement. Donc voilà, ceci étant dit, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sérieusement qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un gros pouce bleu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!